What's up mes pépites de chocolat, j'espère que vous allez bien. Va falloir que je change d'intro, ça commence à saouler, non? Vous trouvez pas? Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous voulez que je change d'intro parce que j'ai besoin de vos avis quoi, tout simplement. Donc aujourd'hui mes pépites de chocolat, on se retrouve pour un petit colis des familles qui va faire plaisir. Je l'ai déjà ouvert pour vérifier si c'était pas un colis pour ma soeur en fait, mais sinon j'ai pas ouvert les paquets. Donc voilà, on va se retrouver directement avec voilà deux t-shirts et vous allez deviner. Enfin non, du coup, vous n'allez pas deviner puisque c'est marqué sur le titre, qu'est-ce que je suis con. Donc ça vient de chez AliExpress, c'est un cadeau que j'ai fait pour mon père en fait à la base. Donc je lui ai acheté ça pour son anniversaire, c'est plutôt cool parce qu'il a accepté que je lui accepte ça, il voulait des t-shirts simples et tout. Et je lui ai dit, bah regarde, parce que la collection est Jesus, entre guillemets, parce que c'est pas du vrai quoi, c'est du fake. Et bah elle est plutôt pas mal, il y a une collection qui est assez simple et basique. Et l'écriture est vraiment stylée. Donc je lui ai dit, vas-y, je te prends ces deux-là et tu verras par toi-même. Donc je sais plus quelle taille que j'ai pris, je crois que c'est du XL, je sais plus du tout. Mais je vais essayer de le tester quand même, ça pourrait être sympa. Puis de toute façon je pense que je le mettrai aussi. Je les mettrai aussi avec des t-shirts en dessous et tout, ça pourrait vraiment être stylé. Donc je vais vous retrouver bah, pour la présentation tout simplement. Bon, perso, je trouve qu'ils sont vachement grands. Donc voilà, en fait, c'est vraiment des basiques tout simples, écrit Jésus dessus, puis il n'y a rien derrière, c'est vraiment des basiques, donc j'espère que ça lui plaira. Malheureusement, je sais pas s'il va vouloir faire une vidéo, enfin, du moins accepter d'être dans la vidéo pour donner son avis comme ça, je pense pas, le connaissant. Et je lui ai pris aussi le même en Bordeaux, et voilà, avec l'écriture blanche, pas mal stylé, moi j'aime bien. C'est vrai que c'est simple, mais bon. Voilà pour les anciens. Il va me gueuler dessus s'il regarde la vidéo. Donc voilà, un t-shirt gris et un t-shirt bordeaux. Donc voilà, plutôt sympa de la marque Jesus, je le répète. Et donc bah, on va les tester et puis je vais vous dire mon avis sur la matière, sur si c'est agréable à porter, avec quoi ça pourrait passer, etc. etc. Donc voilà, à tout de suite. Voilà mes pépites de chocolat pour le premier t-shirt Jesus. Donc. Petit problème, je trouve que le Yeezus il tombe trop bas en fait. Et pourtant le t-shirt est pas vraiment véritablement grand. Ça donne plutôt justement une coupe plutôt pas mal, assez parisien. Je trouve que ça donne une coupe assez parisienne. Le fait qu'il descende comme ça, que ça soit assez, voilà, je sais pas, j'aime beaucoup comment ça se porte. Par contre, il y a un problème, c'est au niveau du col. Ça colle vraiment pas mal au niveau du cou, ça je sais pas si mon père il va adhérer. Et voilà, c'est bête que le Yeezus il soit pas plus ici sur les pecs en fait. Là ça descend vraiment juste en bas des pecs, c'est un peu dommage, mais bon ça peut être cool. Donc voilà, avec un petit jean, un petit jean skinny, ça passe au KLM, franchement. Et voilà, je vous fais un petit tour comme ça, vite fait. Hop. Ah oui, j'aimerais avoir un avis aussi. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse un room tour. Parce que c'est vrai que j'ai réarrangé un peu ma chambre et tout. Bon, va falloir que je fasse encore quelques petits détails. Faut que je vende mon grand muscu parce que j'en ai ras le cul de l'avoir. Ça me prend trop de place pour rien. Puis comme je suis à la salle maintenant, voilà. Puis il y a d'autres trucs. Faut que je range et tout. Mais ma chambre elle est petite. Donc c'est assez compliqué de faire vraiment un beau rangement de ouf. Donc voilà, des pépites de chocolat. Je vais vous présenter le Bordeaux. Et je vais vous dire à peu près avec quoi porter ces deux t-shirts assez simples. Voilà mes pépites de chocolat, c'est parti pour le Bordeaux. Donc il est assez cool, je trouve qu'il est moins, il colle moins au niveau du col. Bah la coupe est à peu près, enfin elle est similaire puisque c'est le même en fait. Sauf que je sais pas, je le trouve un peu plus ample ou du moins c'est moins serré, je sais pas pourquoi. Au niveau des manches c'est plutôt cool, c'est pas serré non plus. Il va falloir que je vérifie d'ailleurs, j'ai pris du combien moi. Alors je vous le dis. En XL, ouais, en XL. Donc vous imaginez qu'en XL, voilà. Moi normalement je mets du S et voilà, c'est quand même très bien à porter. Avant le S ça me faisait le même effet au niveau des bras et tout, donc imaginez un petit peu. Donc voilà, le Yeezus aussi en plein milieu, mais trop bas je trouve, c'est dommage. derrière, bah, y a rien. Mais j'aime bien un peu, voilà, cet effet un peu parisien au niveau du bas du t-shirt. Je sais pas pourquoi ça me donne vraiment cet effet là, genre les parisiens ils portent vraiment des t-shirts assez carrés, structurés, mais qui sont un peu
Enfin, ça donne l'effet d'une voile en fait, c'est voilà, ça coule, c'est plutôt classe. Et donc voilà, après, c'est vrai que ces deux coloris-là, vous pouvez vraiment les porter avec tout et n'importe quoi. Pour ajouter des t-shirts longs avec des manches longues en dessous sans problème, avec une petite casquette, ça passe vraiment au KLM. Petite montre, bracelet, voilà, il y a vraiment tout qui passe à peu près avec ce genre de t-shirt-là. C'est du basique, donc n'hésitez vraiment pas à mettre de l'extravagant ou rester très très simple. Il n'y a aucun problème avec ça, mon perso, voilà. Ça pourrait rester vraiment facile de ouf. J'allais dire, ça pourrait vraiment être easy cette tenue-là pour sortir. Mais bon, ça fait un petit jeu de mots de merde quand même. Easy. Bref, vous en tenez pas compte. Donc voilà, mes pupilles de chocolat, c'était un plaisir de vous présenter ces deux articles de Yeezus. Donc, bien évidemment, c'est certes du fake, mais il existe vraiment officiellement. Allez regarder sur internet, vous allez le trouver certes beaucoup cher parce que moi je les ai payés 14 balles les deux. Donc ça vaut vraiment le coup des fois d'avoir du fake plutôt que du vrai et de se foutre dans la merde. Donc voilà, dites-moi en commentaire si c'est un bon cadeau pour le padré, le paps. Et je vous kiffe à la mort. Je vous fais de gros bisous, portez-vous bien, pisse mes pupilles de chocolat et pas sur moi. Pouf.